Donc aujourd'hui, les élèves vont pouvoir découvrir un nouveau site sur lesquels ils feront des exercices et des évaluations en ligne. Mais ces évaluations et ces exercices sont nominatifs, ça veut dire qu'ils pourront écrire leur prénom, comme ça nous savons qui a fait quoi. Et il pourra aussi y avoir un retour sur les résultats de ces exercices et de ces évaluations. Donc je vous explique comment il se présente. Donc, vous avez le lien à suivre de l'évaluation en question, donc sur les figures géométriques. Donc soit vous cliquez dessus, vous le suivez, soit vous copiez, collez le lien, vous le mettez dans votre barre d'adresse, comme pour l'adresse du blog. Voilà. Et ça va vous emmener directement sur le site de la cuisinière. Donc vous avez les questions. Donc 1, par exemple, coche la figure qui n'est pas un polygone, le carré, le rectangle, le cercle, le triangle, voilà. L'enfant coche sa bonne réponse ou ses bonnes réponses. Hein. Tout est possible. Voilà. Donc il y a plusieurs exercices. Donc des fois il faut cocher. Donc ici il n'y aura que à cocher, mais dans d'autres exercices, je peux très bien leur faire. Taper la bonne réponse, associer des bonnes réponses, voilà. Donc une fois que l'enfant, alors on va faire pour deux fois, alors je mets complètement au hasard, ne suivez pas mes réponses, surtout je le fais au hasard. Voilà. Là, il s'agit de description à lire et de cocher la bonne réponse qui correspond à la description. Voilà, je coche une réponse au hasard. Hein. Bien. Il y a écrivez votre pseudo. Donc les enfants peuvent écrire leur prénom. Alors que le prénom, ne mettez pas de nom de famille surtout. Et une fois que c'est fini, envoie de la copie. Donc, envoyez votre copie, vous ne pourrez plus la modifier. Donc, OK. Et là, il y a un numéro de copie qui apparaît. Alors, notez-le bien. Il vous servira, lorsque vous voudrez aller voir les résultats de votre enfant. Donc, moi, ma copie, c'est la numéro M95. Je vous expliquerai plus tard comment accéder aux résultats de votre enfant. Et c'est tout. L'évaluation est terminée.